Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour jouer aujourd'hui à GT 24 sur Sega Saturn. Un jeu sorti en 1998 dans les fins, les dernières années de la console, hein, puisqu'on sait qu'en fin 98 la va être passée par la Dreamcast, surtout au Japon et ensuite après en Europe. Et pour le coup, nous avons droit à un jeu de voiture. Il n'y en a pas énormément hein, sur la console de Sega, mais bon, ça en fait partie. Et pourquoi GT 24? Tout simplement parce qu'il y a, vous pouvez le voir, des courses de 24 heures. Alors, 24 heures, pas réel, hein, pas en temps réel, mais on a un cycle jour-nuit qui est présent sur la course. Je vais vous montrer le mode option, comme ça on va commencer par là. Petite remarque, le fond d'écran que vous avez derrière change assez régulièrement. Donc on a plusieurs classes, on a le mode novice, le mode senior, le mode expert, on va rester en mode senior qui est le mode moyen. Et vous pouvez voir, voilà, race time 24 minutes, 48 minutes si on veut, ou 12 minutes. On va faire du 12 minutes parce que sinon ça va vraiment être trop long. Le son, les sens stéréo, on peut mettre le ghost off ou on. Au niveau du mappage des touches, donc on accélère, on freine, on peut voir qu'on peut changer aussi la boîte de vitesse, hein, monter ou descendre les rapports. C'est un jeu qui se rapproche un petit peu de ce qu'on avait déjà avec les Sega Touring Car, Sega Rally. Et un peu Ridge Racer, la seule différence avec Ridge Racer c'est qu'on ne dérape quasiment jamais. Donc on va sortir de là et on va faire Exit. Voilà, les chargements qui sont pas spécialement rapides, mais on va dire il y a pire que ça. Alors je vais vous montrer un petit peu de Time Attack, après on fera une course. Alors c'est un jeu évidemment qui est en japonais, donc pour vous expliquer vite fait, on a trois courses, donc on a le short course, middle course et long course. Les deux menus que vous avez là, c'est pour vous mettre le circuit à l'endroit où en sens inverse. Je vous propose de, pourquoi pas, faire un petit tour en sens inverse sur la première course, histoire de pas forcément se taper toujours la même course pendant la vidéo. Donc on va faire celle-là, qui est censée être la course la plus rapide. Ici, on a plusieurs voitures, donc ce sont des voitures qui n'existent pas, hein, c'est des modèles fictifs, mais vous pouvez voir un petit peu l'influence de vrais modèles. Donc on a ça là, on a le mode beginner, mode expert, vous pouvez le voir au niveau du type. Par contre, j'ai pas trop compris le délire parce que, regardez le mode beginner, donc le mode débutant, on a normalement le mode débutant, en général, c'est les voitures qui sont les plus faciles à manier. Et là, regardez la barre du handling, elle est à 60% à peu près. Regardez, en mode expert, elle est encore meilleure. Donc on se demande quel est l'intérêt de prendre cette voiture finalement, puisque celle-là, hormis la vitesse de pointe qui n'est pas forcément la plus haute, elle a quand même une meilleure accélération et une meilleure maniabilité. En beginner, on a ici ça là. Ici ce modèle-là. En expert qui, je trouve, n'a pas grand-chose pour elle, celle-là. Même si elle a une bonne accélération, disons qu'elle est plus rapide, mais elle n'est pas très maniable. On a celle-là, un petit peu entre les deux. On a ça là aussi en expert. Et c'est tout. Alors potentiellement des voitures à débloquer plus tard. Donc du coup on va prendre pour commencer la Porsche. Enfin, j'appelle une Porsche parce qu'elle ressemble beaucoup sauf l'avant. Et du coup, nous sommes partis pour une séance de Time Attack en espérant que le jeu ne plante pas. Ça a déjà été le cas dans la première vidéo. Allez c'est parti. Oui alors évidemment le Ghost est ultra rapide parce qu'il a de l'élan. Et donc nous sommes partis. On peut donc freiner, logique, tourner droite-gauche, échanger les boîtes de vitesse, pas plus, pas moins. Donc là. Oula, regardez, je suis parti en tête à queue en appuyant sur le bouton. On va repartir. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. La voiture est partie instantanément à la faute, c'est assez bizarre. Donc je pense qu'on va plutôt s'amuser à ralentir plutôt que freiner d'un coup. Donc là on est en mode inversé. Alors pour commencer, je vais vous parler donc de minibilité pour débuter. Elle est assez bonne je trouve. Regardez ça, je tourne, c'est assez précis. Je trouve que c'est assez, c'est pas trop rapide dans la direction. Ça le reste légèrement, mais c'est pas, je tourne un tout petit peu, ça part directement et du coup ça devient incontrôlable. Non, on peut quand même légèrement doser. Vous voyez, si je fais deux petits à-coups, la voiture n'a pas tendance à forcément se retrouver de l'autre côté de la piste d'un coup. Mais la direction reste assez rapide, ça permet de faire des changements de direction aussi brusques que si vraiment on insiste sur la direction. Ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, bon ben voilà, comme vous pouvez voir, hein, au niveau des graphiques, bon ben c'est assez vieux, hein, on est au niveau de la Play 1, 32 bits, voilà, donc ça se ressemble beaucoup. Je trouve qu'on a une distance d'affichage, on a beaucoup de clipping, mais on voit quand même, en tout cas au niveau du circuit, ça suffit pour pouvoir voir et anticiper les prochains virages. Surtout qu'en plus on a
le circuit qui est affiché en haut de l'écran, donc ça pose pas de problème. Bon, vous l'aurez compris, après sur le HUD, on a donc le contour à gauche, en bas à gauche avec les kilomètres-heure et la boîte de vitesse. On voit que je suis en 6ème. Comme souvent dans ce type de jeu, joueur manuel vous permettra d'aller beaucoup plus vite parce que vous aurez de meilleures reprises, puisque vous pourrez doser la vitesse beaucoup mieux. Il y a des enfants, des fois, on a tendance à être en sous-régime par exemple, alors qu'en changeant de vitesse, retombant la vitesse, on pourrait accélérer beaucoup mieux. Je vais essayer de battre mon IA en espérant que ça se passe bien. Pour l'instant, ça va. À 292 km/h, je pense qu'on pourrait à plus de 300. Hein. On est à 200 combien? 300? Ouais, 300 km/h. Donc là, on est dans Time Attack, donc effectivement, il n'y a pas grand intérêt. On va finir le dernier tour quand même pour voir ce qui se passe en mode. Aïe! Au bout de 5 tours, même si je pense que je vais louper. Ah, je pense que ça sert à rien. On va faire start. Et on va quitter le circuit. Qui nous offre un petit game over, hein, ça c'est très habituel de Sega dans les jeux de course ou d'avion. On peut changer notre nom, donc évidemment 3 lettres, ce qui évidemment fit parfaitement. Voilà, avec la petite musique de fin. La petite petit bipap derrière, assez sympathique aussi. Les musiques sont sympas, mais un petit peu redondantes, vous allez voir en course. C'est souvent un peu la même rengaine, c'est un petit peu un loop, c'est un petit peu dommage. Alors j'avais fait le 7ème temps avant, mais effectivement j'ai pas vu mon temps, mais je pense que j'ai amélioré, j'ai dû faire un meilleur temps. Et on revient au menu de départ, voilà. Donc on va faire start. On va du coup, je vais vous montrer une petite course, on va faire un grand prix. Espérons que le jeu tienne. donc on regarde, regardez, on a la short course, on a la middle course. Course et la longue course. En course, j'en crois en dernier. On va le faire en mode normal, enfin en mode non inversé. Donc voilà, on va lancer. Celle-là est pas mal, mais on peut changer un petit peu de voiture. On va prendre par exemple celle-là. Je veux pas changer la couleur hein, en revanche. Enfin, je crois pas. Attendez. Si je fais retour, il nous propose des boutons. Non, il se passe rien. Si je fais ça, il se passe rien. Oui, donc c'est vraiment ce bouton-là pour sélectionner. Il n'y a pas d'autre choix. Allez, c'est parti. On va donc partir sur une course de normalement 12 minutes, si le jeu a conservé les réglages. Espérons qu'il n'y ait pas de crash. Donc c'est parti, départ lancé. Et vous pouvez voir qu'on est 12 sur la grille. Et le but, bah, vous l'aurez compris, ça a terminé premier. Il y a donc un time limit, et vous voyez qu'il n'y a pas de tour, et on a des dommages aussi. Vous avez une barre de dommages qui s'est affichée. Alors là, je vais découvrir un peu le circuit en même temps. J'ai freiné, j'aurais pas dû, je suis en sens inverse. Alors, on va repartir, et j'ai déjà une barre de dommages qui est remplie de time extended. Donc en plus d'avoir la pression de ne pas terminer dernier, on a aussi la pression du time out. Sur la carte, on a 12. Alors la framerate qui baisse légèrement, la framerate n'est pas parfaite, sincèrement, dans ce jeu. On a des fois des coups de ralentissement, des fois c'est fluide, c'est. Ouais, là je casse. Alors vous avez vu, dommage, ça n'a pas bougé, la barre elle a pratiquement pas changé. Alors faut que je me concentre quand même parce que vous allez voir le circuit est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà, là on a un pif paf gauche-droite, et je touche un petit peu. Ah si, la barre a un petit peu augmenté quand même. Et je suis très très loin. Hein. Deuxième sur 12. Donc les circuits par contre sont plutôt intéressants dans le sens où il y a quand même le décor qui est... comment dire, qui est assez varié. En plus on a des montées, des descentes. Allez, par exemple, faut pas que j'accélère trop vite sinon je vais sortir. Je vais essayer de remonter. Je n'assure pas de faire des bonnes courses en ce moment parce que je découvre quand même le jeu. Et regardez, voilà, lap 2, on a. Alors c'est pas du tout. C'est pas du tout sneaky, c'est vraiment d'un coup. Genre vous passez la ligne d'arrivée, boum, d'un coup le temps change. Donc là on est en fin de journée. Alors ça ne change rien au niveau du jeu, hein, c'est juste la couleur du jeu, le temps qui change. Mais voilà. On ressort du tunnel et là il fait nuit, donc ça a été un peu mieux conçu. Alors petite
Aïe, petit commentaire sur les détails visuels. Vous pouvez voir quand on va dans l'herbe, bon, on a une petite projection verte qui est assez bizarre. On a l'impression que c'est de la. C'est limite comme on conçoit le plutonium dans les Simpsons. C'est vert avec. C'est du vert, limite c'est plus vert que l'herbe en elle-même. Aïe, j'ai fait n'importe quoi. On va passer le virage ici, voilà. Donc je disais, la maniabilité est quand même pas mal, du coup on peut vraiment être assez précis, il faut vraiment anticiper les virages. C'est un jeu que je trouve assez plaisant à ce niveau-là. Alors certes, le freinage, j'ai pas trop compris. Parce qu'à peine j'appuie sur le frein, la voiture part n'importe comment. Donc bon, c'est pour ça que j'ai eu des freinés depuis le début, je ne fais que ralentir, mais je pense que c'est pas le but, hein, logiquement, il va falloir que. Voilà, je freine un petit peu, ça ralentit, mais si je pense que si je tourne en même temps que je freine. Eh ben, on va partir à la faute. Là, j'ai freiné, la voiture a été limite devenue instable. Alors, les collisions avec l'IA, par contre, ça ne sont pas spécialement bien rendues, vous l'aurez compris. Alors, on va essayer de pas terminer dernier quand même, hein, ça serait pas mal. Oh, pas mal, on est bien passé, attention, accélération. Donc là, normalement, c'est un Grand Prix, alors je sais pas si c'est un championnat, normalement, au troisième tour. Ouais, là par exemple j'ai freiné en tournant et la voiture elle est partie instantanément. C'est assez bizarre le freinage quand même. À moins de me tromper et peut-être, alors là il fait beau d'un coup, à moins de me tromper et d'appuyer sur le frein à main, je vois que je comprends pas trop. Comment on peut bien freiner dans ce jeu? Alors, on va passer par là. Bon, on n'est pas dernier, c'est déjà ça. Alors comme d'habitude sur Saturne, alors qu'on voit que la voiture fume un petit peu à l'arrière, petit détail aussi sympa parce qu'on est à la moitié des dégâts. Vous voyez, bon mais bah, toujours pareil, hein. J'en parle à chaque jeu Saturne, mais je suis obligé de le redire parce que évidemment tout le monde n'a pas forcément toutes les vidéos. L'effet 2 pixels, 1 pixel sur 2 pour l'effet de transparence, même si la Saturne sait le gérer. Oula, ça a lagué d'un coup. Même si la Saturne sait gérer l'effet de transparence, ils sont tellement compliqués à mettre en place. Que souvent bah, les gens, enfin les concepteurs utilisent le système de 1 pixel sur 2 rempli, ce qui donne l'impression d'une simili-ombre, alors que c'est pas vraiment une ombre, hein, c'est 1 pixel sur 2. Et sur les effets, ça se remarque vraiment. Les effets de fumée par exemple sont assez dégueulasses, alors que sur PlayStation, c'est plutôt parfait. Alors, on n'a pas fait un temps, ouais, bah oui, évidemment, hein, parce qu'on a été assez mauvais. Je vais essayer de vous montrer le troisième circuit. Donc là on revient, voilà, après start, on va faire un. Alors on a le 24 heures race, je vais faire juste un Grand Prix, et après on vous montre le mode 24 heures. Voilà, on va faire le long race. Alors on va remarquer quand même que c'est la même map à chaque fois. On va essayer celle-là. Normal, voilà. On va changer de véhicule, on va prendre une beginner, ouais, pourquoi pas. On pourrait prendre celle-là. Ce sera intéressant de voir si elle freine mieux par exemple. Et c'est parti. Peut-être qu'en fait le mode beginner c'est ça. Peut-être qu'en fait quand on va freiner ça sera beaucoup plus simple que le mode. Qu'avec les voitures expertes, je sais pas trop. Parce que je vois pas l'avantage des voitures débutantes par rapport aux autres. Parce que au contraire elles sont moins rapides et si en plus elles freinent pareil, je vois pas trop l'intérêt. Alors découvrons ce troisième tracé qui reprend, vous l'aurez compris, quand même certaines parties du circuit. Que l'on a déjà faite, mais c'est des variantes. Donc ça par contre, ça va être un point négatif pour le jeu, puisque on n'est pas sur trois environnements différents, on est juste sur trois variantes de circuit. Ça c'est vraiment, c'est pas une super bonne nouvelle quoi. Je trouve qu'ils auraient pu se casser un peu plus le cul et faire un peu plus de cours. Oh, regardez là, je pars en tête à queue. Je suis en reverse, voilà, je vais repartir. Alors vous avez vu le travail de suspension, quand on accélère c'est assez bizarre. On se retrouve avec le poids tout à l'arrière, ce qui est certes logique. Mais cet effet est vraiment prononcé. Ah regardez là par contre on est en descente. Je pense qu'on va du coup prendre pas mal de vitesse. Oh non pas tant que ça, je crois que ça, pas tant que ça. Et vous avez vu quand j'ai freiné, je suis pas forcément allé plus vite, donc je suis pas forcément plus de stabilité, donc je viens de me tromper. On peut changer la vue. Alors là on a une vue embarquée. Et qui est quand même pas mal, regardez l'effet de vitesse quand même. Oh, attention! Oh les! Quand même pas mal, c'est un bon effet de vitesse. Je pense qu'on a. Oh, le GT24 qui en plus est en 3 dimensions en haut. On a quand même un bon effet.
Ça, c'est plutôt cool. Et on va revenir du coup sur la ligne d'arrivée. Avec le checkpoint. Et voilà, donc comme tout à l'heure, hein, la fin de journée. Qui s'est fait au passage du second tour. D'ailleurs, je vois bien les scènes avec le joueur en tête qui dit « Bon, c'est quand qu'il passe son tour le dernier, là, que la nuit commence ?» Ok, Time Extended. Alors, on va arriver... Alors, attention, c'est après, il va falloir que je fasse attention. Il y a un gros freinage. Voilà. Et je l'ai loupé. Alors, ces passages-là me font passer à Ridge Racer, le tout premier. Ça ressemble légèrement. Je suis quand même revenu, même si j'ai pas spécialement fait. Alors attention, ici il va falloir passer là. Voilà, sans toucher le mur, accélération un peu plus forte, ouais c'est bon ça passe. Oh là, on s'insère à l'intérieur. Ah non, il nous reprend, et finalement on le passe. Oh là, on s'est encore touché, attention. Faut pas que je tape trop, hein, sinon j'aurai des gros dégâts. Sinon, il y a pas mal de détails, enfin, si vous regardez bien autour de vous, il y a quand même pas mal de détails. Par exemple, on a un hélicoptère, on a une sorte d'attraction pour les enfants. On va la voir dans pas longtemps en passant sur le tracé. Mais ça manque de contenu. Voilà, c'est souvent l'un critique que je fais aux jeux de Sega, qui sont plutôt faits pour jouer sur des bandes d'arcade en fait. C'est que ça manque de contenu, hein. C'est fait pour être joué comme ça rapidement. Et du coup, il n'y a pas trop de rejouabilité une fois qu'on a tout fini. Allez, je me fais percuter. Allez, je vais essayer de finir 10e, enfin au moins au 10e ou 9e, histoire d'améliorer un peu ma position. Et je vous montre après le mode 24 heures. Je vais me taire, vous laisser écouter un petit peu les musiques. Vous avez remarqué ici au niveau du son, quand on passe dans un tunnel, le son change. Bon, on a fini 10e. Vous avez vu la perte de framerate d'un coup quand on se retrouve à faire la course. On est quasiment au ralenti. Donc je disais, oui, l'effet sonore aussi, pas 3D, mais avec quelques effets quand on passe dans un tunnel, ça c'est pas mal. Et du coup, voilà, game over à nouveau. Je sais pas si on a fait un bon temps, si on a réussi à rentrer un score, je pense pas, parce qu'on a vraiment été lent toute la course. Je vais essayer de vous montrer. On va se passer en mode facile et en mode 24 heures, histoire de voir si peut-être on peut... Il y a une petite animation quand on gagne, ou si on finit sur le podium, je sais pas. Vous avez vu, à chaque fois, le fond d'écran change. Quoi faire? Alors, attendez, on va faire le menu option quand même avant. Voilà. On va donc changer, on va se mettre en mode novice. Petit joueur peut-être, mais bon, on l'aura fait. Vous voyez, il y a un shortcut, je sais pas ce que c'est. On va faire OK. Et on va lancer le mode 24 heures. Voilà, 24 heures race. Alors, middle course, long course. Je vous propose de faire la course normale. On va la faire en mode. En reverse, peu importe. C'est juste pour voir un petit peu le mode de jeu. On va changer de voiture, on va prendre quoi pour avoir, on pourrait prendre ça là, même si non, elle a pas une grande maniabilité quand même, j'aimerais avoir une voiture avec une maniabilité correcte. Eh, j'ai pas trop le choix finalement. Bon, bah écoutez, on va prendre celle du début, parce qu'elle est pas mal. Ça me fait penser à une version Takata de la NSX, la version derrière. Alors regardez. On a... Oh, regardez, voilà, donc, on a un choix d'équipier. Pas de team en fait. Technique, diligence, skill, calculation. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je pense que quand on va s'arrêter au stand, on va avoir certains avantages. Par exemple, eux, on va augmenter la maniabilité, mais ils vont avoir une vitesse, à mon avis, de travail dans les stands qui va être beaucoup plus faible. Là, on a diligence, donc ça change pas grand chose. Par contre, la vitesse de travail est rapide. Eux, ils sont techniques, donc ils sont moitié partout.
artisan, il va augmenter la vitesse maximum, mais et la vitesse de travail est très rapide. Ça peut être pas mal. J'ai envie de tenter le. Je change pas grand-chose, celui-là, vu Workspeed. Oh, qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'accélération, on va perdre l'accélération. On ramène calculation, je pense que ça peut être pas mal, c'est le plus homogène, donc on va prendre celui-là. On va voir s'il faut s'arrêter au stand. Si tout, on a toujours le système de time. Timeout, non, vous voyez, je crois qu'on l'a pas. Ok, donc normalement, regardez, 11 minutes, on va avoir donc 11 minutes de course. Et on va avoir une jauge d'essence. Va falloir faire attention. Alors, on est en novice, donc potentiellement ça devrait mieux se passer. Vous voyez le fuel qui va descendre d'ailleurs assez vite, hein, on a à peine commencé. Ah, on a déjà un abandon? On a déjà un abandon, donc on est 8ème sur 8. Ça allait vachement vite. Donc, il va falloir que je fasse attention à ma jauge. Alors, vous voyez, on a un petit croix qui s'est mis sur le circuit pour montrer l'endroit où la voiture a abandonné. Alors, on va voir. On a fini son tour, ok, un tour sur deux. On va juste voir à peu près combien de tours on fait. Aïe, alors j'ai déjà commencé à casser la voiture avec un petit peu d'essence. Donc là, on va faire notre course, on va pas s'occuper forcément du nombre de tours parcourus, mais on va devoir quand même faire attention à ne pas trop devoir s'arrêter souvent. Ouh, bah là voilà, du coup on a tapé l'IA. Ah, on a une voiture qui est rentrée dans les stands déjà. Une voiture qui est à l'arrêt aussi. Ça, c'était l'abandon de la première voiture. Donc nous, on va pas s'arrêter maintenant, on va s'arrêter, je pense, au milieu, hein, puisqu'il reste 10 minutes à faire. Enfin, je pense qu'on va avoir au moins 2-3 arrêts à faire. Et je pense que le jeu, de toute façon, tout l'intérêt du jeu réside dans ce mode-là, puisque on aura des choix stratégiques à faire. Savoir si on prend beaucoup d'essence, si on consomme beaucoup, si on s'arrête plusieurs fois. Donc ça va être intéressant. Pour l'instant, vous voyez, par exemple, on est quatrième, on s'est toujours pas arrêté. Et on va essayer de recoller sur les trois pilotes devant nous. Voilà. Alors oui, je pense que les pilotes marqués en rouge, ce sont des pilotes qui se sont arrêtés, alors que ceux qui sont en jaune comme moi ne l'ont pas toujours pas fait. Alors qu'il y a une voiture qui s'est retirée. Ça a déjà deux abandons alors qu'il y a qu'une voiture en piste. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que tout à l'heure on était 12 et maintenant on est parti, on était à peine 9. C'est assez étrange. Peut-être que c'est pour la framerate, je sais pas, mais je vois pas plus d'éléments en piste en fait pour autant. Donc je me dis, est-ce que ça a vraiment un intérêt de faire ça? Allez, j'ai encore tapé. Et ouais, je commence à fumer. Alors, on a encore. Une voiture qui rentre dans les stands. Ah, on me demande de rentrer au stand. Alors je peux le faire ou ne pas le faire. Hein. J'ai envie de ne pas le faire, sincèrement. J'ai envie de m'arrêter un peu plus tard. On va pas rentrer. On va pas rentrer. On va faire encore un tour de plus. Je devrais pouvoir tenir encore un tour. Donc on va s'arrêter. On va s'arrêter maintenant. On va essayer de retarder notre arrêt de au moins un tour. Pour peut-être s'arrêter moins souvent que les autres, on va tenter ça. On n'a plus qu'à 8 minutes de course déjà. Voilà, on va passer par là. Pour l'instant, on est bon. On va rattraper les voitures devant nous. Et du coup, on va s'arrêter à ce tour-là. Alors, refueling. Driver change si tu veux. Et part exchange, on va toucher. On va faire les 3. On va faire le changement maximum, donc on risque de perdre du temps. Vous voyez, on a les pneus qui sont à 100, les freins à gauche qui sont à 100, le body qui va passer à 100. Vous voyez, plus on perd de, plus on répare, plus on met de l'essence, plus ça va prendre du temps. Voilà, donc là on a quasiment tout mis. Comme ça on est tranquille pour la suite. Et on est parti. Allez, c'est parti. Et vous voyez, on a deux player control. Alors je me pose la question si c'est pas un mode qui permet par exemple bah, de se passer à la manette. Hein. Sincèrement, tu fais un relais, moi j'en fais un premier, tu fais le deuxième. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire.
On pouvait voir aussi que les reflets sur les voitures, qui sont pas spécialement bien faits, puisqu'il y en a quasiment pas, je dirais qu'il n'y en a pas, ont changé aussi avec la ligne. Regardez, hop, c'est pareil. Donc là, on est 5ème sur 6. Oh, j'ai tapé une voiture. Allez, j'ai encore pris des dégâts. Alors de nuit par contre c'est vrai que ce tracé par exemple ça rend un petit peu l'anticipation des virages compliqués. Parce que même si on sait à peu près sur les virages sur lesquels on va tomber grâce à la carte, visuellement parlant c'est assez moyen. Pas grand chose. J'ai passé à l'intérieur, voilà. Ah, il reste 7 minutes de course. Alors je rappelle qu'on est en mode novice. J'arrive vraiment pas à prendre ce virage, hein, c'est impressionnant. Alors, ils vont s'arrêter au stand. Alors on va passer l'IA, attention, une voiture qui est au ralenti. Du coup on est quatrième. Je pense qu'il y a des voitures peut-être qui sont en manque d'essence, du coup elles sont au ralenti, donc elles abandonnent pas. Mais avant de s'arrêter, elles perdent énormément de temps. Voilà, j'ai essayé de freiner légèrement, c'est passé, ok. Du coup j'ai pas trop perdu de temps. Alors j'ai pas trop compris l'histoire du shark, du requin sur l'entrée du tunnel. Je sais pas quoi ça, ce que ça veut dire, parce que Jaleco c'est pas franc. Quoique Jaleco on dirait que ça ressemble à des vagues, leur logo. Ou alors je confonds peut-être avec... je sais plus comment ça s'appelait là, celui qui avait fait la série des F1 Circus. Ouais, je suis encore parti en tête à queue. Alors que j'ai à peine appuyé sur le bouton frein, hein. C'est pas super cool. Alors là, il va me demander d'entrer au stand. Ah oui, bah j'ai tellement cassé la voiture qu'il va falloir que je rentre au stand. On va devoir rentrer à nouveau malheureusement. On peut voir que la voiture accélère beaucoup moins bien aussi. Donc on va rentrer. Le temps autour va être assez mauvais. Il reste 5 minutes. On va pas changer de pilote, on va faire refueling et part change. Vous voyez qu'il ne reste plus que 36 sur le body, 36 sur le fuel. Et du coup on perd pas mal de temps. Donc on est 6ème pour le moment. Alors on va repartir, on est 6ème sur 7. Je crois que le 7ème est en train d'arriver d'ailleurs, on est au 12ème tour. Mais c'est bon, on va finir devant lui. Occasion pour nous de bien prendre ce virage pour une fois. Voilà. Allez, on va essayer de pas faire trop de dégâts cette fois-ci, on va essayer d'être tranquille et on va essayer du coup de peut-être finir la course comme ça. 5 minutes, je pense qu'on peut peut-être les tenir sans ravitailler. Ah oui, on est en mode facile. C'est pas pour ça que j'arrive spécialement à être meilleur que les autres. Je vous laisse imaginer en mode médium ce que ça doit donner. C'est vraiment dans le dernier secteur que je suis plus rapide. Ici, ça se passe vachement mieux. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a les écarts. Oula, j'ai réussi à contrebalancer le freinage, vous avez vu. On n'a pas forcément les écarts entre les autres pilotes, donc c'est un petit peu difficile de savoir. Bon, on sait qu'on est 6ème, ok, mais on n'a pas forcément, on sait pas par exemple les autres à combien de tours de retard ou d'avance ils ont, à quelle distance ils sont, s'ils sont dans le même tour que nous, etc. Donc c'est un petit peu dommage aussi.
Il reste 3 minutes 30 de course. Voilà, j'ai réussi à freiner. Parce que je commence à prendre un petit peu l'habitude. J'essaie vraiment dans le dernier secteur d'aller le plus rapide. On est à 300 km/h, mine de rien. C'est quand même pas mal. Allez, ils sont ralentis. Je pense qu'ils ont plus d'essence. Du coup, on va pouvoir les dépasser et peut-être si on s'arrête, terminer devant eux. Voilà, j'ai réussi à freiner aussi en tapotant. Et le jour est revenu. Ça sent la fin de la course. Le jour est revenu à peu près à 3 minutes avant la fin. Pour le moment, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas trop fait d'erreur dans ce troisième relais. Alors, je vous avoue sincèrement, j'aime ce mode de jeu. Franchement, il est vraiment cool. Non, on va pas s'arrêter. On va pas s'arrêter, on va faire encore un tour ou deux. Bah, je sais pas trop si ça sert vraiment de pas s'arrêter finalement, parce que on va perdre beaucoup de temps du coup. Le fait de ne pas s'être arrêté avant. Par contre, je vais pouvoir ne pas réparer les dommages. Ça va être bien. Il commence à y avoir du monde hein, sur la piste. Allez, on s'arrête au stand. Maintenant, je vais pas toucher les dommages. On va mettre refueling. On va passer en driver change si on veut. Voilà, donc le fuel simplement. Bon, finalement, j'ai pas autant, vraiment beaucoup de temps puisque le body était moins endommagé. Allez, c'est parti. On va ressortir 5ème pour le moment, ouais. Le 6ème qui est dans la ligne d'arrivée, peut-être. Ah, bah non, c'était pas le 6ème, donc en fait, on est bon. À la minute 45, je pense que c'est bon. On peut relier l'arrivée jusqu'au bout. Faut juste pas faire de. Pas se prendre de dégâts. Alors, effectivement, j'ai pas trop parlé du spotter, mais il répète souvent la même chose. Bon, ça met toujours un petit peu d'ambiance d'avoir quelqu'un qui parle, un spotter, c'est toujours une touche de réalisme en plus. Mais là, je tapote légèrement pour pouvoir. J'ai pris des dommages. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je prends des dommages? Parce que je suis sorti de la piste. Alors on va essayer de pas prendre trop de dommages quand même, parce que sinon, on va perdre de la vitesse et ça va être quasiment être injouable. Alors ici je suis plus rapide, hein, j'ai l'impression dans ce. Ouais, en plus il me tire devant. Et on va ressortir. On va ressortir devant. Et du coup, on est toujours 5ème par contre. Allez, il reste 30 secondes de course. Du coup, c'est la fin. Hein. Normalement, c'est le dernier tour. Ah, non, 30 secondes de course, je pense que non. Il reste encore un tour à faire parce que. On aura déjà fini notre tour. Et on est quatrième, il s'est arrêté au stand. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon par contre le podium je pense qu'on peut oublier, on a vraiment été trop mauvais en début de course. Ok, il va s'arrêter au stand. Du coup peut-être que je peux repasser devant. Mais les arrêts au stand sont quand même assez longs, alors je sais pas, on va voir. On va arriver sur l'arrivée. On va arriver sur l'arrivée, oui c'est logique. Quatrième, bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour un premier tentative. Bon, beaucoup d'erreurs au premier relais, je pense qu'on n'aurait pas fait d'erreur, on aurait peut-être pu économiser un peu de temps, et surtout peut-être terminer troisième, mais bon, on était quand même loin du podium. Voilà, donc game over. Bon, en tout cas, jeu, mine de rien, il faut pousser un petit peu des fois, assez intéressant. J'aime ce mode de jeu, sincèrement je le trouve plutôt pas mal, assez stratégique.
Alors, on va voir si j'ai peut-être fait un meilleur temps, on va voir. Ah, j'ai fait le meilleur temps en plus! Oh! C'est parfait! On va voir notre temps en haut de la feuille. Et voilà! On a fait 21 tours, donc en fait, on n'a pas forcément réussi en termes de temps, mais on a fini, on a fait le plus de tours possible en mode short course, en mode inversé. Voilà, bah écoutez, je sais pas trop quoi dire de plus, si ce n'est que le jeu est ma foi fort correct, pas forcément le jeu de l'année, loin de là, bien sûr, si vous avez envie de tester, je vous conseille. C'était donc GT24 sur Saturn, développé donc par Jaleco. On se retrouve pour une vidéo, une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, ciao tout le monde!